Donc je vais faire les vérifications avant de partir parce que ça peut être vite la galère. Donc je vais regarder quand même ce qui se passe dans le moteur, malgré qu'il soit pas vieux. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, bon, l'huile, pas de fuite. Bon, ça devrait aller. Ah, il manque un peu de liquide de lave-glace, toujours pratique. Bon, oui, ça devrait aller. Oui, parce que comme souvent on fait pas les vérifications, après c'est des galères. Comme je me souviens, quand je me suis arrêté sur la RCEA, il fallait avoir un accident. Comme ça, là, le camion, donc le poids lourd qui arrive en face, il explose son pneu avant gauche, perd le contrôle, et puis heureusement qu'ils étaient deux dans le camion parce que son collègue saute sur le volant et tire le volant vers la droite. Ce qui fait que ça m'a sauvé. Et ça m'a évité de mourir sur la route. Ça a juste fait un impact sur le rétroviseur, des débris partout, et puis il a frotté la fenêtre côté gauche. Donc ça c'était un. Ou aussi, cette soirée à la frontière suisse, je trouve un petit coin sympathique, et là je dis oh, bah, je vais être bien ici. Je rentre dans le chemin, et là je m'enlise les quatre roues posées par terre. Donc j'essaye de déblayer, je tombe, je me roule dans la bouche, j'en mets partout. Au final, sous la pluie, en essayant d'appeler les dépannages, le téléphone qui buguait avec la pluie dessus, ça faisait des numéros n'importe quoi. Et ça s'est terminé que j'ai appelé la dépanneuse qui est venue, qui m'a coûté 250 balles et ils m'ont sorti. Le bonus, c'est que le lendemain, j'ai embauché en Suisse et c'était mon premier jour de boulot. Donc j'étais vraiment pas frais, quoi. Ou comme cette fois, où il y a eu ça. Enregistrement manuel.